Monsieur le commissaire, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés et au nom du président de la République, je vous nomme commandeur dans l'ordre des gens foutres. J'ai surtout pas eu de chance. Oh, si, vous avez eu de la chance, et même beaucoup de chance, d'être décoré avant cet interlude télévisé. Quoi, qu'est-ce que vous dites? C'est un signe par Rosette. Si ce ruban est indigne, moi, de le conserver, puis ici, sur des chutes, me serait de choix. Ah, je vous en prie, monsieur le commissaire. Ce que je vous demande, c'est de vous montrer digne de la confiance que l'on a mise en vous. Le destin de l'humanité peut être en jeu. Manquons de crédit. À une époque où, pour Fantômas, la tête d'un savant est plus précieuse que tout l'or du monde, votre devoir est de nous prouver qu'à la tête de notre police, le cerveau d'un commissaire vaut plus que des milliards. Vous en avez un. Alors sachez vous en servir et révisez vos méthodes. Il faut réviser vos méthodes. C'est fini la belle époque du petit hold-up hebdomadaire et des gorilles de papa. Hein? Il va falloir faire travailler un peu ça. Vous avez un cerveau, alors sachez vous en servir. Hein? De quoi auriez-vous l'air si Fantômas s'était arrêté par un 0-0 quelconque? Hein? De quoi auriez-vous l'air? Ben moi je vais vous le dire, vous auriez l'air de gens en foutre. De gens en foutre. Voilà de quoi vous auriez l'air. Qu'est-ce que c'est que ça? J'importe briefing. J'ai besoin de ça, les grilles, fermez-en boire.